Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Hack Ascended avec le tuto numéro 2 où on va vous montrer comment fonctionne la construction. Allez dans les schémas pour débloquer ce que vous avez besoin. Allez d'abord dans les engrammes, débloquer les engrammes que vous avez besoin pour la construction. Une fois que c'est fait, j'ai construit. Donc vous voyez, je me suis give quelques ressources. Hop, on va déjà commencer par faire ça. Les murs. Ceci. Voilà. Alors, pour la construction, j'appuie sur le numéro que je veux. Donc là, je veux la fondation. Tac, on va en mettre une. Alors, petite chose bien pratique, vous voyez en bas, j'ai des snaps qui se mettent à côté du press Q. J'ai snap 1 sur 1, snap 1 sur 2. Ça me permet tout simplement, en appuyant sur A, que ça se snap directement là où je voudrais que ça pourrait se snap. Je veux que ce soit là. Ici, je suis là, disons que je veux que ce soit à ma gauche. Oups. Voilà, vous voyez, j'ai plein. Je peux même le mettre plus haut, quoi. La fondation, si je veux. Si je suis sur, par exemple, sur un terrain en pente, je peux mettre ça plus haut. Donc là, hop. Hop. Voilà. On va faire un 2 sur 2, hein, les amis. On va pas se casser la tête. Hop, les murs. Donc on a le mur classique. On a, en appuyant sur R, je peux changer le style de mur. On a la porte. On a la porte, mais sans cadre au-dessus. On a la porte, la double porte. Et on a la fenêtre. Et attention, un petit dernier. C'est un mur assez particulier, les amis, vous allez voir. Je vais me remettre sur les murs normaux. On va mettre une petite fenêtre pour avoir la lumière. Et voilà. Donc, les portes. Rien d'exceptionnel, les portes, ça fait porte évidemment, porte haute, porte normale, porte double, mais ça fait également fenêtre. Voilà, voilà. Donc là, vous arrivez tout près, vous faites E, ça les ouvre, n'importe quelle structure. Mais par contre, je vous ai parlé du mur spécial qu'on a mis là, les amis. Regardez. Là, c'est un mur secret. Donc ça, attendez-vous à en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans vos parties. Ensuite, on a... Ah, j'ai oublié de débloquer les plafonds. Chops, non, c'est pas plafond, c'est ceiling. On va prendre les ceiling en pierre également. Ils sont où? Là. Non, ça c'est les métal. Voilà. Hops. Voilà, et là, vous mettez simplement vos plafonds. Et pareil, si vous appuyez sur R, vous avez la trappe. Vous avez directement la double trappe et le plafond normal. Je vais vous en faire un de chacun pour vous montrer. Oups. Ah, il me l'a mis par-dessus. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, donc là il a mis la trappe. Donc même chose, vous appuyez sur E, ça l'ouvre, ça la referme. C'est parfait. On va mettre oups, le plafond là pour fermer, donc R. Voilà. Il s'est mis à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, le plafond se mettait à l'envers. Donc là, vous appuyez sur E. Et vous pouvez changer le sens, hein, vous voyez. Tac. Voilà. Le principe de la trappe, bah pareil, hein, on met une petite porte, je suppose. Oui, voilà, une petite porte. Et ça vous fait la trappe. Voilà, voilà les amis, ceci clôture le tuto construction. On se retrouve bientôt pour un tuto timing. Allez, ciao ciao tout le monde!